Avant que la vidéo commence réellement, je voulais vous prévenir que cette vidéo était un échec. C'est une miniature que j'ai reçue à Noël et qui est sympathique, que je voulais vous présenter. Sauf qu'au niveau du tournage, c'est pas du tout ça. Donc je vous la mets quand même, comme ça vous allez pouvoir voir la miniature. Mais niveau qualité, ça va pas être ça. Bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Ford Mustang GT500 Shelby de chez Solido. On se retrouve tout de suite. Donc pour la découvrir, donc c'est un super modèle fabriqué par Solido, donc on a beaucoup de détails. C'est une présentation rapide hein. On a, excusez-moi, voilà, on a l'avant très sympa avec les petites goupilles, de magnifiques détails, une belle peinture métallisée verte. Hop, voilà, des beaux pneus Firestone. Et à l'arrière, des beaux pare-chocs chromés. Donc je vais pas la démonter, car elle est plutôt sympa. Mais je vais pas la démonter, on va juste ouvrir ça. Voilà. Juste enlever ça, ah, ça ne voudra pas, afin d'accéder aux portières. Crac. Et voilà l'intérieur. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi cette vidéo est un énorme échec, et ben, vous allez le voir tout de suite, je vais vous faire une petite voix off avec mon petit micro de PC pour parler. Alors, pourquoi c'est un échec? Tout d'abord, quand je déplace le téléphone, ça grince, donc c'est très désagréable à l'oreille. J'écoute mes vidéos avant de les publier à l'oreille et je coupe des moments, et là, ça va pas du tout. Ça grince, donc c'est très désagréable. Là, on voit mon espèce de support téléphone, on voit mon décor, ce qui n'est pas spécialement incroyable. Là, le cadrage est pas spécialement bon, on voit plus le carton que la miniature. Donc c'est en partie un autre échec. Ensuite, là, ça se passe bien. Là aussi, pour l'instant, ça va. Le cadrage des roues, ça passe. Là, je vais vous montrer l'arrière, sauf que le cadrage est mauvais. On voit plus le carton que l'arrière. Ensuite, je vais poser le téléphone, il y a mes doigts qui passent. On voit beaucoup mes doigts dans cette vidéo. Je ne sais pas si on les a déjà autant vus. Donc là, ça va bien se passer. Je vais couper. Normalement, hop, ça passe. Je coupe. Et là, je vais ouvrir la portière d'une manière complètement ridicule. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, j'ouvre ça comme ça, comme je voulais tirer la portière, mais c'est n'importe quoi. Là, je touche les carreaux. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé de toucher les carreaux. Et ensuite, là, je bouge, ça grince. Et voilà, l'intérieur. Et là, quand on regarde l'intérieur, on voit plus le bout de scotch chez mes doigts que l'intérieur. Bon. C'est pas grave, c'était un petit échec de 2021. Je voulais vous le partager quand même parce que la miniature est sympa. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo de meilleure qualité. A plus!